Hello, 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 bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce que vous êtes là? Hello, 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 bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Hello? Est-ce que vous m'entendez? Je vois pas de message. Hello, hello, est-ce que vous m'entendez? Ah ouais, ça dit qu'on m'entend. Ah ouais, mais je vois pas les commentaires. Hello, 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 bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je vois pas vos commentaires. Je vois pas vos commentaires. Je sais pas ce qui se passe. S'il vous plaît, dites-moi si vous m'entendez. Si vous m'entendez, est-ce que vous m'entendez ou pas? Je vois pas les commentaires. Je vais mettre autour. Alors, dites-moi si vous m'entendez ou pas. Sais pas si la connexion est bonne. Je pense qu'on m'entend, mais je vois pas de commentaires. Je partage avec vous, comme je vous avais promis, je vous montre en image les top 5. D'accord, j'ai préparé pour vous. J'ai préparé pour vous en image le top 5. Mais sauf que j'ai l'impression que je ne lis pas vos commentaires, je ne vois pas vos commentaires. Voilà, là maintenant je vois. Oui, très bien. Gladys Nana qui dit oui, très bien. OK. OK, super, super. Ça veut dire que vous m'entendez. Bon, alors, on va refaire. Hello, hello, hello. Bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce que vous... Bon, là, je suppose qu'on m'entend très bien. C'est super. On a Wilban qui dit coucou. On a Gladys qui dit coucou. On a Rose Paré qui dit je suis connectée. Parfait, ma chérie. Donc, c'est super. Ça veut dire qu'on m'entend bien. Alors, partagez le live, s'il vous plaît. On a Jessica qui est là. Parfait, c'est bon. Alors, j'avais du mal à lire les commentaires tout à l'heure. Donc, c'est impeccable maintenant. Alors, je suis là pour partager avec vous. Comme je vous avais dit, j'avais promis un live en images pour vous montrer justement. Quand je vous parle des top 5 des épices, c'est qu'il faut absolument que vous puissiez intégrer dans votre alimentation quotidienne pour une perte plus efficace. On a une homonyme qui est là, elle s'appelle Liliane Sanon. Bonjour, coach depuis le Burkina. Bonjour, bonjour, Homo. Bonjour, bonjour, bonjour à toute la communauté du Burkina. J'espère que vous allez bien de ce côté. Voilà. Homo, s'il te plaît, partage le live. Nadine, merci de partager le live. C'est parfait. Pour qu'on puisse commencer, voilà, Denise Désiré Béda qui dit coucou, très bien, super, 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 impeccable, impeccable. Vous devez absolument intégrer les infusions dans votre alimentation. La différence est extraordinaire. Vous savez, depuis que je suis en train de mettre l'accent sur les infusions et que je suis en train d'appliquer, tester sur beaucoup de personnes, moi-même, je suis en mode waouh. Moi-même, je suis en mode waouh, waouh. La différence que ces infusions-là peuvent faire
peux faire dans la différence que ces infusions-là peuvent faire dans ton alimentation et dans ta perte de poids est tout simplement extraordinaire. Extraordinaire. La différence est palpable, extraordinaire. Donc, j'aimerais bien. On a Nadine qui nous suit depuis la RDC. Super, super, super. On a une grande communauté de ce côté-là aussi, hein. On a Maman Dieudonné qui nous suit depuis Paris, hein. Tu n'as même pas besoin d'écrire. Je sais que tu me suis depuis la France. Coucou ma chérie, j'espère que tu vas bien. Alors, partagez le live. Maman Dieudonné, partagez le live. On va rapidement faire le live, hein. Je vous ai dit, je vous montre les tops en images parce que c'est important que vous puissiez voir. J'avais promis. Donc, je vais vous montrer ça. Je sais qu'il y a certaines personnes qui connaissent déjà, mais d'autres pas encore. Donc, je vais vous montrer parce que j'avais promis. Donc, on a cela. Et puis, on a un autre qui est là. OK? Partagez le live, s'il vous plaît. Je vous donne les détails. Si tu veux perdre efficacement le poids, je vous assure, tu intègres les infusions si. Tu vas te demander, mais comment est-ce que je n'avais pas su ça depuis longtemps? Pourquoi est-ce que je n'avais pas appliqué ça depuis longtemps? Est-ce qu'on a déjà partagé le live? Là, on est en train de finaliser les choses pour le challenge, hein, pour le challenge de mai. Donc, le challenge de mai, ça, c'est dans quelques jours seulement. Donc, ça va aller vite. Ouh, merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. Vous savez, sur l'ordi, je ne vois pas les cœurs. C'est sur le téléphone que je vois bien. Merci pour les cœurs. Merci de partager. Moi-même, je vais essayer de partager rapidement. Partager. OK. C'est fait. Partageons le live. On va juste partager, on va envoyer. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que nous sommes ensemble? Hello, hello, hello! Est-ce que vous êtes là? Ou bien vous n'avez pas l'habitude de faire le live à 7 heures? Ok, Dieu, j'ai partagé. Super, super, super. Parce que les commentaires arrivent avec un petit retard. Je vous ai dit. Les épices, je vous ai parlé des actifs contenus dans les épices. Si tu, peu importe, que tu sois en Europe, aux États-Unis, ou peu importe, il va falloir que tu commences à intégrer les infusions dans tes repas, dans ton quotidien. Mais pas n'importe quelle infusion et pas à n'importe quel moment de la journée. C'est très important, c'est pour ça que nous sommes là. S'il vous plaît, partagez le live. Reine Virginie qui dit tu as vu, je suis calé. Bon, je sais pas. Désiré qui dit oui, ok. Donc, il va falloir absolument que vous puissiez intégrer. Voilà. Là, je vous sens parce que je ne vous sentais pas tout à l'heure. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs et surtout partagez le live, partagez. Oui, nous sommes là. Ok, super, super. C'est bien de savoir que vous êtes là. On a Isabelle qui nous suit depuis Paris. D'accord? Le live a pris un peu du temps avant de bien démarrer, avant de bien se lancer. Donc, je pense que là, nous sommes vraiment lancés. Je vais juste vous demander de partager pour qu'on puisse toucher un maximum de personnes avec ce que je vais partager aujourd'hui. Je suis venue la dernière fois vous donner le top 5 des épices que vous devez intégrer dans votre alimentation. Il y a plusieurs qui m'ont demandé de vous montrer ça en image. Je n'avais pas tout à la maison. Donc, j'ai dû en acheter. J'ai dû refaire le stock. J'ai profité pour prendre un tout petit peu de chaque épice pour vous montrer. Donc, comme pour dire, on travaille derrière. Vous avez demandé, je suis allée faire les courses pour vous. Et donc, j'aimerais pouvoir recevoir de vous que de partage et surtout des cœurs pour me motiver. On a Josette Maréchal qui dit, oui, je suis là. Super, ma belle, super, je suis heureuse de savoir que tu es là. Merci d'envoyer les cœurs, merci d'envoyer les likes, merci de partager le like. Et puis, on va commencer. Souvenez-vous, on avait le top 5. C'était quoi la première, l'épice, le top 1 des épices?
On a Beth qui nous suit depuis Facebook, YouTube. Coucou à la communauté de YouTube. Merci, merci, merci. Est-ce que qui se souvient de la première du top 1 de l'épice, de la première épice? Alors, il y a Isabelle qui dit, vous méritez les cœurs. Oh, ma chérie, pardon, envoie les cœurs, envoie les cœurs. C'est tellement, c'est le carburant de votre, c'est le carburant. C'est ça, c'est avec ça que je me charge en énergie, de savoir que nous sommes en phase. Est-ce que quelqu'un se souvient? Voilà, la personne, il y a eu personne qui a déjà répondu. Isabelle a répondu. On a Obi Lekam qui nous suit depuis l'Allemagne. Coucou à la communauté de l'Allemagne, j'espère que vous allez bien. Voilà. Voilà, elle a parlé de la cannelle et c'est très vrai. On avait eu la première épice, c'était la cannelle. Je vais vous dire clairement, la cannelle, et on peut l'avoir en poudre. On peut l'avoir en poudre, mais très honnêtement, je conseille toujours de prendre un morceau de bois. Un morceau comme ça. Comme ça, au moins, vous allez râper. Vous savez, en ce qui concerne les épices, on ne sait jamais comment ces gars-là font pour. On n'est jamais toujours sûr que ce qui est dans le pot, c'est réellement l'épice qui est là. Parfois, on fait des mélanges. Et donc, moi, en général, j'achète ma cannelle sous cette forme-là. Et puis, je prends le temps de râper. D'accord? Je prends le temps de râper. C'est parfait. Ça sent tellement bon. D'accord? Et puis, je prends le temps de râper. Donc, vous avez vu, la cannelle ressemble à ça. Vous voyez là? On a Dana qui suit depuis Djamena, Djamena au Tchad. Coucou à la communauté de ce côté-là. J'espère que vous allez bien. Ça fait du bien hein, de voir qu'on est suivi un peu partout. Ça, c'est la cannelle. Merci de partager le live. Il faut que la communauté du Tchad soit au courant que nous faisons les lives ici, que nous avons des choses, des bonnes choses de ce côté-là. Est-ce que vous avez des difficultés à avoir la cannelle dans votre zone? Parce que beaucoup de personnes, à moins que vous ne partiez dans un magasin bio où vous avez, où ils ont quand même un tout petit peu de sens de moralité, ils ont quand même un peu l'éthique et puis ils peuvent véritablement avoir les vraies épices qu'ils mettent dans le pot. Mais en réalité, beaucoup de personnes mélangent ces épices. Alors voilà pourquoi tu peux prendre et puis tu n'as pas de réels résultats. Donc, du coup, pour éviter tout ça, achète ton épice en écorce et puis tu râpes. On a Reine Virginie qui nous suit depuis le Burkina Faso. S'il te plaît, partage pour la communauté du Burkina. On est tellement suivi au Burkina Faso que, ben voilà, partage autour de toi, s'il te plaît. Donc, on a la cannelle qui est là. Cette épice est tellement, tellement, tellement recommandée quand on veut perdre du poids. Pourquoi? Parce que, voilà, je regarde en même temps ici. Très peu calories. Il est riche en fibres. C'est-à-dire qu'on va avoir, beaucoup de fibres. Et quand on dit qu'un aliment est riche en fibres, ça veut dire que ça peut jouer le rôle, de coupe-faim. C'est-à-dire que quand tu prends, ça prend un peu plus de temps pour pouvoir disparaître de ton estomac. Donc, ça te fait atteindre même rapidement la sensation de satiété. Donc, c'est important de... Ouh là là, la Côte d'Ivoire! Coucou! Coucou à Clarisse de la Côte d'Ivoire! Merci de partager le live parce qu'on a aussi une grande communauté en Côte d'Ivoire qui nous suit. Donc, merci de partager. Ça serait vraiment bien qu'elle puisse recevoir de nous. Attendez, je vais essayer de mettre aussi TikTok. Pourquoi pas? Là, il y avait la communauté de TikTok qui avait ce problème-là. Je ne me suis pas connectée. Ça, je sens que ce n'est pas bien ce que je fais. Ce n'est pas bien ce que je fais parce que je ne me suis pas connectée là-bas avec eux. Alors que c'est une bonne... C'est une communauté. Ils m'avaient aussi demandé ça. Partagez, s'il vous plaît, une seconde seulement. Mais c'est pas... On va essayer de mettre ça comme ça. C'est un peu flou, hein? Je ne sais pas pourquoi, mais... Okay. Une seconde, s'il vous plaît. On a... «
On a Akanze qui dit, Akanze Afon qui dit, coucou Liliane, tu es une vraie coach. Merci pour les bons conseils. Je te suis depuis les US. Oh là là, merci, merci, merci. Merci, merci. Tu sais, pour moi, c'est important vraiment d'être là, important de vous donner les détails. Parce que parfois, on peut se mêler beaucoup de pinceaux. Hein. C'est important pour moi de vous donner. Et comme je vous avais promis, on avait dit ensemble, et j'ai choisi donc de véritablement venir vous donner les choses en live. Donc, merci d'être là. Merci d'être connecté. Merci de nous suivre. Merci, merci, merci. Merci pour les cœurs en plus. En plus, tu m'as envoyé des cœurs. Merci. Coucou à la communauté TikTok. Désolé. J'ai lancé sur Facebook. On a commencé à échanger avant que je ne lance chez TikTok. Donc, merci de partager. Merci de nous faire un coucou. On est là justement parce qu'il y avait tellement de demandes au niveau de TikTok pour voir à quoi ressemblaient ces épices-là. Donc, pendant que j'étais en train de faire, je me suis rappelée. J'ai dit non, il faut que je lance sur TikTok pour que vous puissiez également voir de quoi il s'agit. Donc, je compte sur vous pour rendre le live dynamique sur TikTok. Partagez autour de vous. Partagez. N'oubliez pas. Partagez et dites-nous de quel côté vous nous regardez. Partagez et envoyez les cœurs. OK. OK. Alors, on était sur sur la cannelle. Je vous montre rapidement. J'étais en train de donner l'apport nutritionnel de la cannelle. La cannelle, en tout cas, en ce qui compte, est prisée pour la perte de poids, dans ce sens que la cannelle est très riche en fibres, très riche en fibres. Ça veut dire que quand tu consommes un thé ou bien une infusion à base de cannelle, tu atteins rapidement la sensation de satiété et tu as moins faim, d'accord? Tu as moins faim. Donc, on a la cannelle, du coup, c'est hypocalorique, c'est très pauvre en calories. Ça, c'est clair. Quand on parle de perte du poids, il faut vraiment retenir que vous devez réduire votre dépense calorifique. Non, réduire votre consommation calorifique et augmenter les dépenses. C'est-à-dire que plus tu vas consommer moins de calories que tu n'en dépenses. Ça, c'est vraiment ce que tu es censé faire. Donc, du coup, quand tu consommes certains aliments qui sont très pauvres en calories, oui, non seulement ça te coupe la faim, mais en même temps, ça t'apporte moins de calories. Et c'est tout simplement génial. C'est pour ça que tu vas voir les infusions à base de cannelle auront tendance justement à, quand tu prends cette infusion-là, tu as tendance à ne plus avoir faim, à ne plus avoir vite faim. Et c'est tout bénéf pour toi. J'ai une question, je veux vraiment perdre le bas de mon ventre, je fais des exercices sportifs. Il faut aussi intégrer l'alimentation. Les exercices, c'est déjà bien. Maintenant, après, il faut intégrer une bonne alimentation. Parce que si ton ventre est gonflé à cause des ballonnements, à cause des résidus d'aliments qui sont restés fermentés et que ton côlon n'arrive pas à digérer, il faut comprendre que ton organisme a besoin d'un peu plus de probiotiques pour faciliter l'évacuation à ce niveau-là, l'évacuation du côlon. Maintenant, si tu fais du sport et que le côlon est chargé, tu ne digères pas bien, tu n'évacues pas bien, eh bien, tu comprends qu'il y a une partie où l'alimentation va venir aider à déboucher, à faire partie ces déchets qui sont concentrés au niveau de ton côlon. Là, je réponds sur TikTok, c'est pour ça que je regarde là. Donc, c'est important pour toi d'intégrer aussi une bonne alimentation pour faire d'une pierre deux coups, OK? Il faut dire que la perte de poids et la perte du gras, on est à 80% dans l'alimentation et 20% dans l'activité physique. C'est important, ce n'est pas l'inverse. Donc vraiment, tu mets l'accent dans ton alimentation et 20% dans l'activité physique, ce n'est pas l'inverse. L'alimentation d'abord. On parle de la santé dans les plats. Moi, ça va faire 3 ans bientôt que je fais l'étude pour comprendre plus la santé dans le verre. Et je vous assure que je suis bluffée à chaque fois que j'avance. D'accord? La santé dans le plat, oui, je préconise ça. D'ailleurs, on en parle beaucoup. Mais la santé dans le verre, OK, aujourd'hui, on est vraiment positionné là-dessus. Parce que clairement, la transformation est rapide, la transformation est palpable. Et en même temps, le processus est plus facile à gérer pour les patients. Donc, c'est important de noter ça. Il y a Suzanne qui dit merci pour le conseil. Je connais la cannelle. Franchement, tu mérites les cœurs. Merci beaucoup. Merci pour tes cœurs.
Ok, il y a quelqu'un qui me dit, Mimi, bonjour, serait-il possible d'avoir un retour en privé sur le challenge de mai pour lequel, si tu n'as pas encore reçu un retour, je laisse rapidement mon numéro. Moi-même, je vais te donner les détails. Plus, attendez, plus 241, si tu n'as pas mon numéro. Parce que sur le site, il y a la possibilité de m'écrire directement. Dès que tu finis, tu nous laisses un message. 99, 99, 80. Bon, du coup, mon numéro est là. Tu peux me laisser un message et je vais me faire un plaisir de te répondre juste après. Bon, je vais afficher celui de YouTube pour que vous puissiez vous le faire, pour que vous puissiez aller vous abonner également sur YouTube. D'accord? Donc, c'est important d'allier l'activité physique et l'alimentation. Très important, très important. L'alimentation occupe 80% voilà, 80% en termes de pourcentage sur l'efficacité qu'on a quand on cherche à perdre du poids. L'accent, là où on doit mettre l'accent, on doit vraiment mettre 80% de notre énergie sur ce qu'on consomme. Comment prendre la cannelle? La cannelle peut se prendre, je le conseille très vite en infusion, c'est génial, surtout en infusion. Et je vous ai dit tout à l'heure, pour les gens de Facebook, vous avez déjà compris, pour les gens de TikTok, s'il vous plaît, faites l'effort d'acheter votre cannelle en morceaux, en racines comme ça. Et puis, vous allez râper. Et c'est la même chose pour tous les épices. Vous allez remarquer que mes épices, je les achète avant de les mouler, avant de mouler, avant d'écraser, si on peut dire comme ça. D'accord? J'achète mes épices avant d'écraser. Au moins, je suis sûre. Parce que je fais des préparations pour des patients. Je fais des préparations pour des personnes qui souffrent de. Je ne peux pas m'hasarder à prendre les épices toutes faites. Parce que parfois, les gens mélangent ces épices-là pour pouvoir parfois mieux écraser facilement. Ou alors pour pouvoir, voilà, pour pouvoir en avoir beaucoup, le gros cœur pour vendre un peu plus. Pourquoi? Ils prennent les épices qui sont moins chères, ils mélangent avec ceux qui sont chers pour avoir une bonne quantité. Donc, faites attention. Et du coup, après, on n'a pas le résultat escompté. Ou alors on crée plutôt d'autres dégâts. Donc faites l'effort, s'il vous plaît, d'acheter comme ça en quantité. Moi, je prends en quantité, je râpe et je conserve. Au moins, je suis sûre que ce que je donne aux patients, c'est réellement ce que j'ai prescrit. D'accord? Coucou ma belle, merci pour ce que tu fais pour nous. Merci, s'il te plaît, aide-moi. Je veux dépérir, maigrir pour le corps. Lequel de tes recettes me conseilles-tu, s'il te plaît? Alors, on ne peut pas te conseiller une seule recette pour maigrir. On te conseille un plan alimentaire, un protocole alimentaire que tu vas suivre. En fait, une seule recette, ça peut justement t'aider à prendre conscience de certaines choses. Mais il y a un protocole que tu dois mettre en place. C'est pour ça qu'un accompagnement est le plus adapté, s'il te plaît, le plus adapté. Eh bien, toutes les recettes qu'on vous donne, et s'il vous plaît, les recettes ont encore davantage d'efficacité quand elles sont insérées dans une bonne alimentation. C'est important qu'on puisse noter ça. Les recettes sont très efficaces, mais ça prend davantage une bonne efficacité quand c'est inséré dans un protocole alimentaire adapté. C'est pour ça qu'une boisson, une recette de boisson que X va prendre, Y va prendre, vous allez vous rendre compte qu'avec un plan alimentaire qui est adapté à cette boisson-là, vous allez vous rendre compte justement que la personne aura tendance à vite perdre qu'une autre personne qui est dans un autre plan alimentaire. C'est très important de revoir, de voir un peu, de jeter un coup d'œil sur ce que vous mangez. Ça fait 2 jours que je suis tes vidéos et j'apprécie l'effort que tu fais pour nous depuis Limbé, dans la région du Sud-Ouest Cameroun. Merci encore. Coucou à la communauté de Limbé, là-bas on est anglophone. On va dire quoi? Hello guys! How are you today? I hope you are very well. You are very well. J'espère que tu as bien compris. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien. Donc, hello guys! Hello à la communauté de Limbé. J'espère que vous allez bien de ce côté-là. Moi, je vais bien. Et donc, du coup, on est là. Je suis contente de savoir que vous nous suivez aussi de ce côté-là. Et ben voilà. Donc, c'est gentil, c'est gentil. Est-ce que vous êtes là? Je peux avoir votre WhatsApp. C'est mon WhatsApp qui est affiché là. C'est mon WhatsApp qui est affiché là. Le plus 241 62 99 99 80, c'est mon WhatsApp qui est affiché. Donc, Geneviève, tu peux avoir mon WhatsApp directement sur l'écran.
Tu peux avoir mon WhatsApp directement sur l'écran. Merci, ma belle. Comment faire pour être suivie par vous? C'est simple, mon WhatsApp est là. Tu me laisses un message et puis on voit. Sinon, tu as le lien sur la description de la vidéo. Tu prends rapidement ta place, s'il te plaît, pour la session, pour le challenge de mai. Et on aura notre exclusivité. On va échanger vraiment en offre. On pourra prendre du temps pour vraiment aller en profondeur en ce qui concerne ta perte de poids. Donc, je vous ai dit, la cannelle est riche en fibres, est très hypocalorique, donc il n'y a pas beaucoup de calories. Et surtout, la cannelle est un antioxydant. Je regarde en même temps sur mon téléphone parce que c'est ici que je vois les cœurs. Là-bas, je ne vois sur l'ordinateur, je ne vois pas les cœurs. Et vous savez, quand je vois que c'est un peu calme là, je regarde le téléphone pour me rassurer que les cœurs sont en train de tomber. Et donc, pour être contente, pour me nourrir. Donc, n'hésitez pas à continuer de m'envoyer, d'envoyer les cœurs par ici. Donc, je disais, la cannelle va faciliter la digestion, ça va te couper la faim. Et en même temps, c'est un très grand antioxydant, ça va nettoyer ton corps. Bonjour ma belle, je veux vraiment perdre du poids et être suivie par toi. Alors, je te laisse rapidement mon numéro WhatsApp, le plus 241 62 99 99 80, plus 241 62 99 99 80. Il y a Marie-Lévin qui dit coucou, trop contente de t'avoir en live, bisous. Merci, là c'est sur TikTok que je lis. Dit que j'ai failli ne pas me mettre en live sur TikTok. Ouais, désolé. Donc moi aussi je suis contente d'être avec toi. Merci de partager le live. Merci. Bonsoir, je veux perdre le poids et le ventre et je veux te suivre. Ok, parfait. Donc, abonne-toi déjà si ce n'est pas encore fait. Abonne-toi déjà et surtout, laisse-moi un message WhatsApp au plus 241 62 99 99 80. Il y a Raïssa Dufo qui dit, je t'aime fort. Moi aussi, je t'aime, Raïssa. Moi aussi, je t'aime. Je vous aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai choisi. Je vous ai promis d'aller regarder ces épices-là et de venir vous montrer ça à grandeur nature. Oui, moi aussi, je vous aime beaucoup, vraiment. Je vous aime beaucoup. Et sachant que je suis chrétienne, je pense que, comme Dieu dit, aime ton frère comme toi-même. Donc, je vous aime. Je vous aime vraiment d'un amour fraternel, d'un amour, d'un grand cœur. Donc, si je passe mon temps à faire des tests, à faire des expériences parce que j'aimerais pouvoir être à la hauteur, vous aider vraiment à finir avec ce poids-là parce que vous négligez, mais le poids-là, c'est vraiment un tuer lent. Il y a beaucoup de personnes qui ont souffri de beaucoup de maladies à cause de ce poids-là. Donc, dès que le poids s'installe, ça ouvre la porte à beaucoup d'autres maladies qui aujourd'hui, voilà, tu vas souffrir, on te dit que si tu veux avoir une solution, maigris. Une fois que tu maigris, tu vas voir comment tu vas commencer à retrouver ta forme. On a Reine qui dit, inscrivez-vous pour le challenge de mai. Je fais déjà pour avril. J'ai perdu 5 kilos en 3 semaines et je poursuis en mai encore. Vous allez maigrir sainement. Elle a perdu 5 kilos en 3 semaines. On a les gens qui ont perdu 7 kilos et demi en 3 semaines, d'autres qui ont perdu 6 kilos et demi, d'autres qui ont perdu. C'est important de noter ça. Imaginez, non seulement tu perds, parce que nous, on ne met pas forcément l'accent sur le nombre de kilos que tu vois sur la balance. C'est vraiment important de mettre l'accent sur la santé que tu gagnes. La santé que tu gagnes. Parce qu'au final, il faut que tu te sentes légère, que tu te sentes bien dans ta peau, que tu t'affines. Que tu t'affines. Parce que quand tu te sens, quand tu vois le tour de taille réduit, tu vois comment ton tour de taille recule et que tu peux même t'habiller normalement, tu te sens bien dans ta peau, tu te permets de profiter de la vie, la santé. Parce qu'il faut dire que quand tu perds le poids, quand tu es dans une bonne alimentation, tu renforces tes muscles. Notez ça, tu renforces tes muscles. Et quand tu renforces tes muscles, tu peux avoir l'impression que là, j'ai perdu 5 kilos, j'ai perdu 6 kilos. Mais en réalité, tu as perdu beaucoup plus que ça. Pourquoi? Parce que quand tu renforces en muscles, sur la balance, ça a tendance à ne pas forcément baisser. Regarde un peu comment tu t'affines. Regarde comment tu te sens. Prends le temps d'apprécier comment tu te sens aujourd'hui. Comment quand tu te réveilles le matin, tu es à l'aise, tu as la pêche, tu as envie de faire des choses. Comment est-ce que tu fais dans le quotidien, dans la journée? C'est de là que tu commences à comprendre. Oui, je suis en train de préparer, je suis en train de travailler sur moi. TikTok, s'il vous plaît, envoyez-nous les cœurs. Envoyez-nous les cœurs. Envoyez-nous les cœurs, s'il vous plaît. Oh là 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 là. Il y a Diane sur TikTok qui dit
Je te suis depuis 2 semaines. C'est juste waouh. Merci pour la live, pour le live. Ouais, 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 c'est avec beaucoup d'amour. Merci, merci. Que Dieu vous aide, que Dieu vous, nous aide tous à nous aider ensemble, hein, parce que c'est important. C'est pour ça que je vous demande, partagez le live, partagez le live. Vraiment, c'est tout ce que je peux demander, partagez le live et prenez votre place. Je dis ça, je dis plus rien. Comme ça, on vous amène dans notre univers et que vous voyez un peu comment. J'ai les gens qui sont avec nous, qui ne veulent même plus quitter, qui ont suivi le programme, ça fait 1 an. Ils ne veulent même plus quitter. Ils sont restés là, le rythme leur plaît, elles sont à l'aise, elles ne veulent pas partir. C'est-à-dire, on est devenus comme une famille et c'est ça que je veux vraiment qu'on puisse préconiser. On dit, il y a quelqu'un qui me dit, bonjour Liliane, j'ai perdu 6 cm de tour de taille avec votre recette d'infusion, coup de girofle, cumin et gingembre. Du coup, je suis inscrite au challenge du mois de mai. Yes! Oh, oh, Papa God, on se pose un moment et on bénit l'Éternel pour tout ce qu'il est en train de transformer dans la vie des personnes qui sont connectées à cette page. Papa, je sais que cela ne vient pas de moi. Cela ne vient pas que de moi. Ce n'est pas une œuvre humaine. Je prie et je prie au nom puissant de Jésus-Christ que tu continues de me tendre ta main, Papa. Continue de nous donner la force, l'énergie, de nous utiliser, toute l'équipe et moi, et surtout d'étendre ta main sur tous tes enfants qui sont sur la planète Terre, qui souffrent des problèmes d'obésité, d'hypertension, douleurs articulaires, des problèmes de diabète, des problèmes de constipation chronique, des problèmes qui, tous ces petits maux qui les amènent à grossir, à prendre davantage du poids et surtout à se mettre à mal parce que la santé prend un coup. Seigneur, je prie pour que tu puisses étendre ta main sur eux. Seigneur, elles se battent au quotidien pour avoir la solution. Que tu souffles à chaque fois sur chaque recette qu'elles vont préparer pour que ça puisse être la recette miracle, que tu transformes ça en leur médicament miracle pour les aider à retrouver le sourire. Seigneur, la maladie n'est pas de toi. Papa, la maladie n'est pas de toi. Je prie en ton saint nom que tu puisses déchaîner toutes ces personnes connectées en live et même en replay. Que tu puisses déchaîner ces personnes-là de ces maladies, de cette poids, de ce poids-là qui s'empile, de ce gros vent qui les empêche de pouvoir s'affirmer, de pouvoir sortir et de pouvoir parler, de pouvoir réaliser, créer leur vie et pouvoir vivre normalement. Papa, je prie que tu puisses nous guider parce que je sais que ça ne vient pas seulement de moi. Excusez-moi, mais je devais absolument faire cette pause-là. Parce que comme elle, depuis ce matin, les retours qu'on reçoit, c'est extraordinaire. Des personnes que je n'ai jamais vues, des personnes que je ne pense même pas qu'on va se voir un jour, mais comme les hommes se rencontrent, quelqu'un qui se place en Australie et qui est heureux, qui m'envoie les images, qui m'envoie les photos, qui me raconte, quelqu'un qui est aux États-Unis, je ne sais même pas si on va se voir un jour dans un coin là-bas, mais qui, grâce aux recettes qu'elle reçoit, je ne sais pas, elle m'écrit sur TikTok, Facebook, YouTube. Je ne sais pas ma gagnante, Petro, je ne sais pas si tu me suis toujours, si tu es toujours connectée, je ne sais pas de quel côté tu me regardes. Merci de me mettre ton pays, ta ville, c'est très important. Mets-moi ça en commentaire, s'il te plaît. Voilà, vous voyez, des choses comme ça. Vous savez ce que ça signifie de perdre 6 cm de tour de taille avec une seule recette? Je vous ai dit, intégrez les infusions dans votre quotidien. Vous négligez, hein? Vous aimez seulement quand on vous vend des choses chères. Quand on vous dit qu'il faut aller en pharmacie, acheter une boîte de remèdes à 100 000, acheter une boîte de remèdes à 90 000, c'est ça là que vous allez aller chercher. On vous dit, intégrez ça dans votre alimentation. Il y a Iris qui dit, Liliane, vous n'avez pas répondu à mon SMS, s'il te plaît. S'il te plaît, ma belle, si c'est sur WhatsApp, fais-moi seulement un coucou, ça remonte. C'est très important. Oh là là, j'ai Nina et Samba qui me suit. Je m'arrête pour lui dire un bonjour particulier, parce qu'elle, on s'est rencontrés dans mon ancienne vie. C'était quand j'étais encore dans le domaine bancaire et on était à BGF Cameroun ensemble. Donc, je veux dire, coucou Nino, je sais que je sais pas, tu deviens quoi, ça fait longtemps, et les jumeaux, parce qu'elle est maman des jumeaux, donc, et mes bébés, et mes jumeaux, comment ils vont, je suis déjà maman de 5 ans, hein? Ou bien, oh, je te rappelle, hein, on va discuter, de toute façon, tu as mon numéro qui est là, s'il te plaît, si tu peux me contacter, ça ferait du bien qu'on puisse reprendre les contacts, merci de te retrouver dans mon live, c'est super, merci. Donc, je disais, c'est vraiment important pour moi de vous dire, ce n'est pas rien de perdre 6 cm de tour de taille avec une seule recette. Imaginez un peu cette recette-là dans un protocole alimentaire bien adapté. Imaginez ce que ça va donner. Imaginez ce que ça peut donner. Là, elle est seulement sur une recette. OK? Seulement sur une recette. Donc, j'aimerais vraiment vous encourager à apprendre... comment faire, madame? C'est facile, vous avez mon numéro, le plus 241 62 99 99 80.
plus 241 62 99 99 80. Les filles, chacune doit prendre conscience que sa santé là, sa santé, c'est elle-même qui décide de prendre ça en main. Personne ne peut t'aider à ce niveau-là. S'il vous plaît les gagnantes, toi qui souffres, tu as mal là, fais l'effort maintenant. Fais l'effort maintenant de prendre ta santé en main. C'est très important. Tu peux courir, aller travailler, tu peux courir, aller travailler, tu peux courir, fais comme tu veux. Mais je t'assure, si tu ne poses pas pour dire que je fais comment pour ma santé, le même argent qu'on travaille, on va encore dépenser doublement, triplement pour essayer de se soigner plus tard. Donc vraiment, allons doucement et prenons le temps pour nous-mêmes. Voilà, prenons le temps pour nous-mêmes. Est-ce qu'on est là? Voilà, elle nous suit depuis la France. Je suis en France, ma coach. Elle est en France. Elle est en France. En France encore, c'est possible qu'on se voit. Même comme la France est tellement grande, donc il y a la possibilité que, bah voilà, on n'arrive pas à se voir. Mais elle suit. Elle a reçu des recettes. Elle a perdu 6 cm de tour de taille avec une seule recette. Imagine un peu ce que tu vas mettre en place au mois de mai. Ça sera tout simplement waouh. Tu vas toi-même confirmer. Je ne parle pas beaucoup en ce qui concerne ça. Il y a mes nutritionnistes qui sont là en live, qui me regardent. Il y a plusieurs qui travaillent avec nous, qui sont connectés, qui comprennent, qui savent ce qu'on fait en amont et en aval. Donc, elles savent très bien. Donc, voilà. Elles sont là et je profite pour leur dire merci pour tout le travail qu'elles mettent au quotidien. Je profite pour dire merci à mon équipe parce que j'ai une équipe formidable, des gens qui travaillent avec amour. Parce que quand on parle de perte de poids, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes émotionnels, qui ont besoin d'être écoutées, qui ont besoin d'écouter des paroles aussi qui les galvanisent, qui les motivent. Et ça, mon équipe a ça. Mon équipe a une patience extraordinaire. J'ai réussi à transmettre tout cela en elle, à toute l'équipe. Et c'est tellement extraordinaire de voir à quel point, même seulement prendre le temps de discuter avec une patiente, elle va puiser le meilleur en elle et elle arrive à avoir un résultat extraordinaire. Donc, je profite ici et ça, je ne vais jamais me lasser de le dire pour dire merci à toute l'équipe choc que j'ai derrière. Donc, on continue de bosser et je crois qu'avec le rythme que nous sommes en train de prendre, on va véritablement transformer des vies comme on a toujours souhaité le faire, comme on le fait depuis bientôt 5 ans. Je ne peux plus passer... Oh, il y a Isabelle qui dit, je ne peux plus me passer de mes verres d'eau du matin. Ça fait un effet waouh. Donc, tu vas voir, ma chérie, c'est ça qu'on appelle perdre efficacement le poids. Est-ce que vous comprenez? J'étais en consultation ce matin et je disais bien à la dame, perdre efficacement le poids, c'est arriver à installer des habitudes qui favorisent ta perte de poids et que ce soit naturel et que toi-même tu en redemandes, tu sais. Parce que là où tu es aujourd'hui, je ne sais pas, tu as peut-être 80 kilos, 90 kilos, 100 kilos. Il faut comprendre que tu as développé des habitudes qui t'ont conduit à avoir ces kilos-là. Et inconsciemment, tu continues de la même lancée. Inconsciemment, tu continues à mettre les mêmes réflexes. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est devenu normal, qui est devenu naturel pour toi. Bon, pour que tu puisses perdre efficacement le poids et sur une durée, c'est vraiment de réinstaller de nouvelles habitudes qui deviennent normales. C'est-à-dire que quand tu te réveilles, tu sens la nécessité de faire ton protocole matinal. Parce que tu sais ce que ça signifie. Au point où quand tu es en manque de ton protocole matinal, tu sens qu'il y a quelque chose qui me manque. Oui, c'est important. Quand tu arrives à ça, même sans faire les efforts, tu perds le poids. D'accord? Même sans faire les efforts, tu perds le poids. C'est très important. S'il vous plaît. Liliane, ma copine, c'est Berthe. J'ai perdu 6 kilos. Liliane, ma copine, c'est Berthe. J'ai perdu 6 kilos. Je me sens super bien. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Mon ordinateur veut se décharger. Non, je mets ça à la charge. Pardon. Collez ça et connectez ça là. Là, on est dans le challenge d'avril. Faut voir comment les choses sont en train de se mettre en place. Il faut que je connecte mon chargeur. La prise la plus proche est où? Allez, je vais regarder là une seconde. Oh, il faut les prises ici. Je ne suis pas sûre que ça va bien. La prise la plus proche.
derrière moi. Je vais connecter là. Oh, les filles, une seconde, hein, je vais connecter ma prise, mon chargeur. Voilà, parfait. Et hop. Non. C'est ça qui est la vérité, ma chérie. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Il y a Isabelle qui dit, j'ai inculqué à mon mari et à mon fils. Vous savez pourquoi je travaille beaucoup avec les femmes? Vous savez pourquoi je me tue à donner ces astuces-là aux femmes? Vous savez pourquoi? Parce qu'une femme qui a des bonnes habitudes alimentaires sauve toute une famille. Et si on a 10 femmes dans un quartier qui ont de bonnes habitudes alimentaires, on a 10 familles qui sont sauvées. C'est-à-dire que la femme est l'incarnation même de la vie. La femme, tu vois, elle se sent bien et elle transmet automatiquement à sa progéniture. Quand une femme sait comment elle doit faire son repas, elle doit préparer, comment elle va organiser pour avoir un repas sain, ça veut dire que sa famille mange sainement. La famille enseignement. C'est très important. Oh, on est là, elle a perdu 6 kilos. 6 kilos au mois en 3 semaines. Bon, là, c'est en 3 semaines. Et là, c'est ce qui est en ce qui concerne les kilos. Hein. Il y a les tours de taille, il y a les tours de cuisse, il y a les tours de bras, il y a tout ça qu'on affine. Il y a tout ça qu'on affine. Et ça, c'est pour qu'elle puisse. Tu savais que physiquement, elle est wow. Tout simplement. C'est très important. Ou bien, physiquement, elle dit, Liliane, ma copine, Sébert, merci beaucoup. Ma belle, j'ai perdu 6 kilos. Là, je me sens très bien. Donc, je continue pour le mois de mai. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Vous savez, quand quelqu'un dit que Dieu te bénisse, je pose. Et je reçois ma bénédiction. Parce que ça, c'est pas... Il faut que quelqu'un te porte vraiment dans le cœur pour sortir ces paroles-là. Ce n'est pas un jeu. Non, je m'assois et je reçois. Merci beaucoup pour ces bénédictions. Merci vraiment. Et que le Seigneur te bénisse aussi au centuple. Très important. Très, très important. C'est très important, s'il vous plaît. Recette contre les... Vous avez... J'ai mis une recette contre les végétules là. Si tu n'as pas encore mis, va déjà chercher. Va déjà chercher. Moi-même qui je te parle là, c'est parce que je ne peux pas vous montrer mes amis. Ici là, sur mes cuisses... Ici, là, j'en avais plein. Ici, là. C'est parce que je ne peux pas... C'est parce que mon... On m'a dit quoi? Mon éducation ne me permet pas de me montrer comme ça. Et voilà. Donc, sinon, je vous aurais montré. Généralement, on a ça sur des parties un peu trop sensibles. Donc, du coup, sur le ventre, j'aurais pu vous montrer parce que le ventre aussi, j'en avais un peu, mais c'est fini. Bon, quand je dis c'est fini, quand tu peux même pas voir, si je te montre, tu vas pas voir. Parce que les végétaux, il faut dire que parfois, ça a du mal à disparaître complètement. Mais quand tu travailles dessus, ça se voit pas à l'heure nue. Ça dit, il faut que quelqu'un s'en rapproche, il faut que quelqu'un soit vraiment dans ton intimité pour venir voir ça. Pour que quelqu'un soit dans ton intimité pour venir voir ça. Donc les amis, je vous ai donné une recette contre les végétaux. Je vous ai dit, à compter de maintenant, vous devez avoir les solutions avec tout ce qui est naturel, avec les choses qui sont dans vos cuisines. Que ce soit pour la peau, que ce soit pour les cheveux, que ce soit pour maigrir. OK? Donc, la recette est disponible sur la page. On est où là? Est-ce que nous sommes en phase? Donc, vous voyez en 3 semaines seulement ce que ça donne. Alors, le challenge actuellement pour le mois de mai est à 50 euros. Et à 50 euros. Ah, Isabelle, voilà. Il y a Isabelle qui est là. Il y a une dame. Attendez, écoutez très bien. Écoutez très bien. Merci, Isabelle. Merci de me rappeler. Elle a déjà pris sa place. Tu as déjà enregistré.
Isabelle est une gagnante qui me connaît très bien. Enfin, beaucoup, beaucoup qui me suivent là, même par la voix. Je vous assure, si quelqu'un vous demande de prendre une certaine somme, si vous, moi personnellement, si vous m'écrivez, vous dites que vous doutez que c'est moi et que vous voulez un appel vidéo, moi je vous lance l'appel vidéo, honnêtement. Donc je vous dis, je peux vous dire que je suis un peu occupée, je vous appelle en vidéo tout à l'heure, je n'ai aucun problème pour ça. Il faut qu'on puisse retenir ça. Donc les gens qui vont vous écrire pour dire qu'ils travaillent pour, qu'ils veulent faire ceci, il y a beaucoup qui, il y a une qui est entrée dans mon groupe. Dans mon groupe à moi, j'ai mis le lien sur Facebook. La personne a intégré le groupe. Entrée dans le groupe maintenant, toutes les personnes qui étaient dans le groupe pour se faire enregistrer, elle parlait checker pour dire que elle fait ci, elle fait ça. Et donc, comme elle était dans le groupe, les gens avaient l'impression que c'était de nous. Heureusement que Isabelle a eu la présence d'esprit de dire non, ce n'est pas possible. Je connais bien comment elle fonctionne, je connais bien comment elle travaille. Ça ne peut pas être comme ça. Et donc, elle m'a écrit pour me dire, voilà ce que j'ai reçu d'une dame qui dit qu'elle est dans le groupe avec nous et que, ben voilà, elle suit comme ça, comme ça. C'est là où on se rend compte qu'effectivement, il y a une mauvaise personne, une mauvaise graine qui est dans le groupe. Donc, il peut y avoir des gens comme ça qui se prennent pour moi et qui vous disent qu'elles peuvent vous accompagner, elles peuvent vous faire ceci, c'est moi qui les envoie. Non. En général, même si c'est une de mes... Même si c'est une de mes nutritionnistes ou bien une de mes collaboratrices, si vous demandez à appeler en vidéo, il faut qu'elles acceptent. Et dans tous les cas, si c'est moi que vous voulez avoir directement, elles vont pas, en tout cas si c'est des gens qui travaillent avec moi, elles ne retrouveront aucun problème à vous mettre directement en contact avec moi. Aucun problème. Donc quand quelqu'un commence à faire genre là, non. D'accord? Pas. Quand quelqu'un commence à faire un genre là, c'est pas bon. Même si c'est une de mes nutritionnistes, vous dites que je veux parler directement à la coach Liliane, je veux la voir, même si c'est un appel vidéo, elle va organiser un moyen et on va se parler. Moi, j'aime parler avec mes patients, j'aime bien discuter, j'aime parce que je sais que c'est important de mettre les gens en confiance, c'est important de les préparer avant qu'elles ne puissent réussir leur perte de poids. Je travaille beaucoup sur le poids émotionnel, donc je n'ai aucun problème à avoir des séances d'échange pour échanger, pour pouvoir mettre la patiente en confiance. Donc, si vous avez une personne au bout du fil qui dit qu'elle est de mon équipe, dites que vous voulez m'avoir. En tout cas, pour l'instant, ce sera ça. Que vous voulez m'avoir en appel vidéo et écouter même la voix. C'est important. Je ne sais pas comment une femme normale peut s'asseoir dans sa maison et décider d'aller dans les groupes des gens, se pointer pour chercher à exploiter les gens. Ce n'est pas possible. On a Marès qui dit, donc merci Isabelle, vraiment merci, merci. On a Marès qui dit, bonsoir, ménopausée et retraitée, je n'arrivais plus à mettre mes habits. J'ai commencé depuis 2 semaines tes conseils, céleri, concombre, citron, pomme et curcuma, et je me sens mieux et je continue. Merci et surtout, reste comme tu es. Et que le Seigneur te protège. Eh, ma mère, je fais comment pour ne pas faire pause et recevoir la protection divine de ma mère Marèse. Voilà une maman que je ne connais pas, que je n'ai pas encore vue, que peut-être je verrai un jour par la grâce de Dieu. Mais regardez un peu ce qu'elle est en train de faire avec une seule recette que j'ai pris le temps de partager. Je vous ai dit, même si je te donne une recette avec 2 ingrédients, je la prends ça au sérieux parce que je me lève un matin comme ça et puis je viens te donner. Est-ce que tu me comprends? Je ne me lève pas un matin et puis je viens te donner. Je prends le temps de vérifier un certain nombre de choses autour de la recette avant de venir te donner. Donc, il faut comprendre que tout ce qu'on met là, c'est un travail de fond en fait. De grâce. Les gens qui ne sont pas prêts à payer cet investissement, ce petit investissement pour prendre soin d'elle, c'est important que je vous le dise sincèrement. Ce n'est pas évident que je puisse le faire comme ça, à la main, gratuitement avec tout le monde. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce qu'au final, comme vous me voyez là dans la structure, là, pour ceux qui connaissent Libreville, vous connaissez un peu comment ça coûte. En Angleterre, on a la base qui est là-bas. Il y a des charges qui suivent. Au Cameroun, on a le cabinet qui est là-bas. Il y a des charges qui suivent. Derrière nous, on a les panoplies de nutritionnistes qui sont payés tous les mois.
tous les mois. Non, mais attendez. On ne peut pas. Je veux bien aider tout le monde, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que sinon, à un moment donné, moi, je n'aurais plus d'énergie. À supposer que je fais ça, je décide d'aider seulement les gens comme ça. À un moment donné, je n'aurais plus d'énergie. J'aurais aidé peut-être une poignée de personnes. Et après ça, je n'aurais plus d'énergie pour aider au plus d'autres personnes. Et n'oubliez pas, derrière ça, j'ai des mamans dans mon équipe. Moi-même, je suis maman, 5 enfants. J'ai une famille à gérer, j'ai mes enfants à gérer. J'ai tout ça là à ma charge. Donc, il ne faut pas quand même que les gens aient leur travail, ils ont leurs activités, ils gagnent l'argent pour gérer leur famille. Mais quand il s'agit de prendre soin de leur santé, on va venir voir la coach Liliane, comme elle est gentille, comme elle est patiente, comme elle écoute. Et puis, elle va faire ça gratuitement, franchement, de grâce. Les filles, c'est trop facile, c'est difficile. Je veux bien, mais c'est impossible pour moi. Donc, prenons le temps un peu d'investir sur nous. C'est très important. Isabelle, la recette est disponible sur la page. Ben oui, Isabelle, je te dis. Voilà, voilà, voilà. Et des recettes qui font tellement du bien. Et pas des trucs, pas de n'importe quoi. Même si je te donne une recette avec 2 ingrédients, va boire ça. Et tu reviendras me dire. Moi, je mets tout le monde au défi. Toute personne au défi. Tu as bu une recette sur ma page, là, tu n'as pas eu de résultat. Il faut venir me dire, je vais te dire là où tu as péché. Ce n'est jamais ma recette. Ce n'est jamais ma recette. Donc, les filles, on était sur le... Il faut vraiment prendre au sérieux ce que je vous dis là-haut. Je vais vous montrer la deuxième épice. On avait cité quoi? Ah, vous qui êtes là, la deuxième épice pour les tops là, c'était quoi? Deuxième. C'est là, qui reconnaît l'épice? Qui reconnaît cette épice? Je mets déjà le numéro au cas où. Cliquez sur le lien, vous prenez votre place seulement. Ne venez pas me dire après que... Quand ça va passer au prix normal... Vous allez me dire que j'ai augmenté le prix. OK. Parfait. On a Isabelle qui a trouvé le clou de girofle. Le clou de girofle. Voilà. Est-ce que vous êtes là, TikTok? Où sont les cœurs? Où sont les cœurs? On a Mel 997-111 qui me dit bonjour notre amour, bonjour, bonjour. Rien qu'à cause de ton bonjour là, je vais prendre un verre d'eau. Je vais boire un peu, excusez-moi. Merci. Merci, merci, merci. Le clou de girofle, OK. Le clou de girofle a une puissante particularité, c'est que ça accélère le métabolisme de base. Ça améliore, mais alors, ça améliore le métabolisme de base. C'est impeccable. C'est-à-dire, même quand tu mets dans une infusion que tu prends avant de dormir, je t'assure, pendant que tu dors, le travail est là. C'est pour ça que les 2 verres d'eau du matin que tu prends pour nettoyer toutes les toxines qui ont été déchargées pendant la nuit, là, c'est très important. Hey, je vais vous dire ça même comment. Et vous, c'est quoi votre patois? Parce que peut-être il faut que je vous parle en langue, pour que vous compreniez ça. Comme vous croyez que comme c'est gratuit, parce que je vous donne ce protocole-là gratuitement, c'est que vous voulez que je vous parle en langue, c'est ça? Le clou de girofle va améliorer ton métabolisme de base et ça va faciliter la perte de poids. Ça aide aussi beaucoup pour la digestion. Et les personnes qui souffrent même parfois, qui grignotent beaucoup, c'est un puissant coupe-faim. Puissant coupe-faim, tu ne prépares même pas, tu ne fais même pas l'infusion avec. C'est-à-dire que si tu sens que tu es en train de grignoter, tu as faim dans la journée, tout le temps tu manges là, prends ça, hein, comme ça, pose ça sous ta dent. Et avale son jus. Quand tu avales son jus. Donc, au lieu de grignoter les chips, les caramels, les bonbons, les croquettes. Prends un clou de girofle, mets ça sous ta dent et mets-toi à travail pendant que tu es en train de poser la dent dessus. Tu verras. Et un cassis, tu n'auras plus faim. Alors, belle question. Catherine qui demande, faut-il écraser le clou de girofle ou les faire bouillir directement? Écoutez, dans tous les cas,
on peut les faire bouillir directement. Mais quand tu écrases, si tu écrases ton clou de girofle et que tu es sûr que ce n'est que le clou de girofle, c'est l'idéal. Parce que quand tu écrases, tu as quand même la possibilité d'avoir du concentré, de récupérer tout. Je ne sais pas si tu comprends. Parce que dans les infusions, tu récupères quand même le jus. Mais quand tu écrases, tu as tout. Ça dit, je ne sais pas, tu vas en profondeur des choses. Donc, tu peux écraser pour l'avoir en poudre. Mais même si tu le fais avec les graines comme ça, ça fait quand même, ça fait l'affaire. Mais écrase pour être plus dosé. Tu prends une cuillère à café et c'est parti, quoi. C'est parti. Donc, on a le clou de girofle. Est-ce qu'on est en phase? Je ne vois pas les cœurs. J'étais en train de regarder mon téléphone. Je ne vois pas les cœurs. Vous me regardez comment c'est sec. Il n'y a pas les cœurs. Vous me regardez seulement. Envoyez les cœurs et partagez. Please. Envoyez les cœurs et partagez. Regardez comment les cœurs là montent timidement. Comment vous voyez? Envoyez, c'est en train de monter timidement. Envoyez les cœurs et partagez les filles. On a décidé de faire des choses. Nous, on a décidé d'aller faire des recherches, de venir vous montrer. D'accord? Je ne comprends pas comment payer pour te suivre. Alors, ma chérie, tu as mon numéro le plus 241 62 99 99 80. Plus 241 62 99 99 80. Et je ferai le reste pour que tu puisses. On va voir ça de ce côté-là. Regardez, faites monter les cœurs. C'est ça, c'est mon carburant. On a décidé de faire des choses. On a décidé d'atteindre des choses. Partagez le live et faites monter. C'est ce que vous pouvez me donner. Je vois, il y a beaucoup de merci, beaucoup de Dieu te bénisse. Merci, c'est gentil, je reçois avec grand cœur. Mais donnons aux autres. Il y a des gens qui ont juste envie de connaître que ces 5 épices-là sont là, de voir à quoi ça ressemble. Ils n'ont même pas besoin de venir peut-être payer mon programme. Ils ont juste besoin d'être en contact avec ça. Et c'est parce que vous partagez que ces gens-là arrivent à voir ça. Directement ou indirectement, vous arrivez à aider quelqu'un quelque part. On a parfois des lives où il y a 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes qui suivent. Vous croyez que c'est les 300 personnes qui vont venir payer mon programme? Parfois, il y a peut-être une petite partie, une infime partie qui paye. Et les autres vont profiter comme ça. Donnons-leur. Ceux qui veulent aller en profondeur vont venir prendre le programme et on va les accompagner en profondeur. Ceux qui vont rester superficiels vont avoir quand même le nécessaire pour déjà avoir un certain niveau de résultat. Et c'est de ça qu'il s'agit, s'il vous plaît. Faites monter les cœurs. Partagez autour de vous. D'accord? Le clou de girofle soigne aussi la rage de dents et lutte contre la mauvaise haleine. Super, c'est impeccable, je suis d'accord. Donc, quand tu as même mal à la dent, tu prends le clou de girofle là, tu poses le jus de ça en là, ça te soulage illico presto. Là, tout de suite, ça s'arrête. Après, tu peux aller voir le dentiste pour comprendre ce qui se passe, mais il te dit tout de suite, ça s'arrête. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble, s'il vous plaît? Est-ce que nous sommes ensemble? La troisième épice que je veux continuer d'envoyer les cœurs, hein, parce que sinon je vais attraper le téléphone, on ne va pas avancer. Je veux juste jeter le coup d'œil de temps en temps et voir que c'est en train de monter. S'il vous plaît, posez les doigts et rendez le live dynamique, parce qu'il n'y a que vous pour rendre le live dynamique. Donc du coup, la troisième épice que je viens avec, c'est une épice que beaucoup de femmes vont aimer, surtout celles qui ont le gros ventre, surtout celles qui cherchent comment faire pour perdre le gros ventre. Hey! Restez, partagez, parce que cette épice est riche en antioxydants. L'épice qui est en train d'arriver, riche en antioxydants, c'est riche en fibres. C'est tellement super, super, parce que ça agit sur le ventre et ça dégonfle ton gros ventre. Si tu ne connais pas l'épice, reste connecté. Et si tu as déjà vu, si tu me suis depuis longtemps, mets-moi en commentaire de quelle épice il s'agit. C'était quoi le top 3? C'était quoi le top 3? Parce que les filles, il faut qu'on sache qu'on est en phase. Hein. On travaille ensemble. Moi, je passe parfois des jours, des nuits là. Je travaille, je dors pas, j'ai tout ça. Il faut pas que je vienne là, je vous donne et puis vous regardez comme ça fait rien. C'était quoi la troisième épice? Le top 5 là, troisième épice. Riche en antioxydants, un puissant antioxydant. Riche en fibres, dont un coupe-feu indirect. Agit directement sur le ventre. Agit directement sur le ventre et surtout
facilite la digestion. Est-ce que quelqu'un a trouvé ici? TikTok, je vois sur YouTube, sur Facebook, il y a une personne qui a trouvé, une personne. Il y a une personne, une de mes mamans qui a trouvé. Sur TikTok. Sur TikTok. TikTok, j'avais même commencé par vous. Oh. J'avais commencé par vous donner la recette, les infusions là, avant de venir donner aux autres sur Facebook. Est-ce qu'on a vu? Justement, maman Dieudonné a trouvé, c'est les grains de fenouil. Vous avez ça, c'est là comme ça. Les grains de fenouil. C'est ça qui est là. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Ça, c'est TikTok. C'est ça qui est là. Les grains de fenouil. Vous partez chez les mamans qui vendent les épices. Ça, vous demandez les grains de fenouil. C'est ça qui est là. On a les grains de fenouil. Vous prenez, vous pouvez sécher encore. Moi, généralement, quand je prends, je mets sur le couvercle de la marmite. Quand c'est au feu, donc ça sèche encore mieux pour que mon mixeur puisse mixer facilement. D'accord? Les grains de fenouil. Ça, c'est un pur égal. En infusion, tu vas voir comment ton ventre va te dire merci. Ton ventre va te dire merci. Tout à l'heure, je vous donne une recette d'infusion à base de ces fenouils-là. Je l'ai déjà enregistré en vidéo. Donc, je vais partager la vidéo avec vous sur la page tout à l'heure pour que vous puissiez exploiter, pour que vous puissiez essayer. Donc, on a le fenouil. C'était, s'il vous plaît, peut-on trouver les grains de fenouil au supermarché? Oui, 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 bien sûr, au rayon épices. Oui, vous pouvez trouver. Rayon épices. D'ailleurs, ils en vendent beaucoup. Tous ces épices-là, ils ont ça là-bas. C'est peut-être un peu plus cher au supermarché, mais voilà, ils ont ça là-bas. Rayon épices. Et dans les magasins bio, comme le nôtre. Nous, on est bio. Chez nous, on a presque tous, on a ces épices-là parce que nous sommes justement bio. Vous pouvez les avoir à l'institut aussi. D'accord? OK? Les grains de fenouil. Voilà. Maintenant, quatrième épice. Donnez-moi ça, le top 4. Quatrième. En RDC, on ne connaît pas ça, les grains de fenouil. Non, ma chérie, si on connaît. Si on connaît, on connaît. Va dans les super. Parfois, les gens ne demandent pas. Vous savez, j'ai parlé aux patients, je leur ai parlé de la queue de cheval. Queue de cheval. Il y a beaucoup de patients qui m'ont dit que, oh, on n'a jamais entendu, oh, ça n'existe pas dans mon pays. Quand tu pars chez les mamans qui vendent les épices, chez les magasins spécialisés là, dès que tu dis queue de cheval, on compte donc. Parce que toi, tu ne connais pas, tu n'as jamais entendu parler. C'est quelque chose, c'est une tuerie, ce sont des choses qui transforment des vies. Quand je dis cela, il y a beaucoup en live qui ne connaissent pas de quoi je parle. Mais quand tu vas entendre, tu vas dire qu'il n'y a pas ça dans mon pays. Il n'y a pas ça chez moi parce que tu ne t'y es jamais intéressé. Quand tu vas commencer à t'intéresser à ça, tu vas commencer à voir tous ces épices-là. Tu penses qu'il n'y a pas ça chez toi. Mais quand tu vas commencer à poser la question, tu vas avoir ça. Je ne vois pas pourquoi la RDC n'aurait pas les grains de fenouil. Non, ce n'est pas possible. Moi, je vote pas pour ça. Moi, en tout cas, je ne pense pas. Je pense que toi, peut-être tu ignores. Il faut pousser un peu, tu vas trouver. Tu vas trouver. Pousse seulement un peu la recherche loin, tu vas trouver. Moi, je suis convaincue que ça existe. D'accord? Alors, on a le cumin. Le cumin qui est un puissant, qui est tellement riche en fer, magnésium, phosphore, c'est un anti-inflammatoire naturel. Ça aide à la digestion naturelle. Le cumin, il est où mon cumin? Voilà le grain de cumin. Voilà les grains de cumin. Allez juste sur le main. Et ça, tous ces épices ont leur parfum particulier. C'est-à-dire que quand tu ouvres celui-là, tu sais que c'est. Quand tu ouvres l'autre, moi j'ai tellement manipulé les épices que quand tu ouvres, je peux même seulement humer et te dire que ça, on est quand même sur telle chose. Donc, là, on a les grains de cumin. Les grains de cumin.
Je vous ai dit, j'ai tellement découvert, j'ai tellement compris, analysé, testé l'efficacité des épices que moi, je me suis mise à cultiver. Parce que je sais que ce qu'on doit faire d'ici des années, avec les transformations des vies que nous devons faire, on doit pouvoir avoir les éléments bio, les éléments qu'on doit contrôler la chaîne de production de ce qu'on donne aux patients. Et donc, j'ai mis ça en culture. On n'est pas en train de blaguer là. On avance dans quelque chose qui est sérieux. J'ai mis ça en culture pour que vous puissiez vous contrôler la chaîne jusqu'à la, de la fourche à la fourchette. J'ai dit que pour contrôler la chaîne de ce que je propose des épices là, parce que c'est énorme, vous négligez, mais c'est puissant. D'accord? Quand les blancs vont comprendre eux-mêmes, parce qu'ils savent déjà un peu, mais on a aussi une partie de chez nous ici, là, notre façon de faire, de mélanger là. Quand ils vont comprendre ça là, ils vont transformer ça et puis nous on va l'acheter. D'ailleurs, même, il y a beaucoup qui transforment même déjà. Ils font ça sous forme de thé, des infusions, des petits, ils mélangent quelques trucs, ils mettent dans les packs et puis on achète. Et puis vous achetez. Donc du coup, on a des infusions toutes faites. Déjà, quand tu prends, tout est déjà mélangé. Tout est déjà mélangé. Tu ramasses juste une cuillère ou deux cuillères à soupe, tu mets dans ton truc. Et puis, tu infuses. On a déjà ça, déjà préparé. Tout est prêt. Donc, pour celles qui... bonjour, meilleure épice pour l'hypertension serait... La meilleure épice pour l'hypertension serait laquelle? Alors, ça dépend de comment... Tu sais, les épices, surtout quand on est déjà hyper tendu, il faut tenir compte de ton alimentation, pas seulement d'une épice. Pas seulement d'une épice. Parce que ce que tu manges avant de prendre ton infusion va influencer sur le résultat que tu vas avoir, sur ce que tu peux ressentir. Ce que ton infusion trouve dans ton estomac est très important pour la réaction finale. Voilà pourquoi les personnes qui ont déjà des pathologies, hypertension, diabète, tout ça, je m'abstiens de dire un mot. Parce que si je te dis par exemple là que c'est le cumin, tu vas aller te déverser sur le cumin, même si tu sors, tu viens de finir de manger un plat un plat peut-être qui est, on va dire quoi, peut-être on appelle ce repas que les gens, le poulet pané ou bien un truc comme ça, ça dit qu'on est quand même sur un mélange de sucre lent et de graisse. Donc tu es sur un mélange comme ça et tu décides de après avoir mangé ça, surtout si tu as frit et tout, avec peut-être des frites de plantain et tout ce qui va avec. Et après, tu vas aller te mettre, te jeter à l'intérieur. Alors que c'est pas... il faut vraiment voir ce que tu prends avant. Et dès que je donne une épice, les gens vont se jeter là-dedans. Et c'est pour moi, c'est pas bon si je n'ai pas si je maîtrise pas le protocole ou alors la chaîne, le plan alimentaire du patient. Surtout quand tu es déjà malade. C'est très important pour moi. C'est pour ça que je m'abstiens. D'accord? Après, en dernier, on a le thym, le thym, ce que vous appelez, voilà ça. Lui, par contre, je les ai en feuille. Tu peux juste broyer et puis ça va te faire. Vous avez vu ça? Tu prends juste une main comme ça. Tu mélanges dans ton infusion. Ou tu mixes. Tu bois. Tu mixes, tu bois. Voilà les top 5 qu'on a présenté. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, on a la cannelle. Ça, c'est hyper pour faciliter la digestion. Ça, c'est très bien pour faciliter la digestion. N'oubliez pas, je vous ai dit que la perte de poids passe par une bonne digestion, une bonne évacuation des déchets. Ça dit que tu vas maintenant regarder, gérer ta dépense. Ta consommation de calories et ta dépense de calories et surtout augmenter ton niveau d'énergie, ton niveau de dépense énergétique. C'est-à-dire que plus tu augmentes ton niveau de dépense énergétique, plus tu auras tendance à... Et si de ce côté, tu consommes moins de calories et là, tu augmentes ta dépense énergétique, c'est clair que tu perds le poids. Moins de calories, dépense énergétique à la hausse, on perd le poids. Encore, et ça devient tellement plus facile quand tu digères bien et surtout quand tu évacues bien. Et c'est là où l'alimentation prend une place de choix
Et c'est là où ces épices-là vont s'asseoir comme des rois ou des reines à une place, je ne sais pas, au top, parce qu'au final, c'est ça qui va aller conduire et faciliter cette digestion-là. Les infusions sont souvent très bien quand on prend en fin de repas. Est-ce qu'on est OK? Vous êtes là ou pas? Vous êtes là ou pas? Voilà, elle dit en lingala, je ne connais pas, mais c'est comme les grains de riz vert. Voilà, voilà, voilà quelqu'un qui répond à notre gagnante qui disait que elle est en RDC et elle n'a pas les grains de fenouil. Totalement. Vous êtes là, est-ce que vous continuez de mettre les cœurs? Parce que malheureusement pour l'instant, ça s'est mis opérationnel à Libreville. Ce que je vous annonçais, pour l'instant, c'est opérationnel à Libreville. On vous sert votre perte de poids sur un plateau. C'est-à-dire qu'on prend tout en charge. Après maintenant, sous réserve de certaines conditions, bien sûr, on prend tout en charge. On lance, dès le début du mois de mai, on lance dès le début du mois de mai la possibilité de vous accompagner de A à Z, c'est-à-dire que vous n'aurez plus à faire vos repas, à faire vos boissons, à faire tout ce, à vous casser la tête. Nous, on prend tout en main et pour celles qui peuvent, qui vont suivre ce qu'on va, voilà, qui veulent vraiment, on prend tout en main et on les prépare pour vous, on vous les livre et en plus, il y a la formule du massage. Ah, si j'étais en téléphone, j'allais vous montrer. Il y a la formule, le massage amincissant qui est tout un package. Le hammam, massage amincissant. Les repas sont pris en charge parce que nous, on les prépare pour vous. Et derrière maintenant, vous avez ce package-là que vous pouvez prendre. Vous êtes tranquille et vous, chaque semaine, on s'arrange à gérer, à suivre votre process jusqu'à ce que vous puissiez arriver à perdre efficacement le poids. Pour l'instant, c'est opérationnel. Ça sera opérationnel dès le 1er mai. À Libreville et probablement dès le 1er juin au Cameroun, là où les sièges sont déjà installés, et pour les autres villes, pour les autres pays, voilà, on y va progressivement. Non, j'avais vraiment envie de vous annoncer ça. Dès le 1er mai, on ouvre cette formule-là, la possibilité de se faire enregistrer et de payer cet abonnement-là, qu'on puisse vous accompagner de A à Z, qu'on puisse vous tenir la main, justement, voilà, préparer vos boissons, préparer vos recettes, et vous livrez. Donc, voilà. Il y a Isabelle qui dit, waouh, elles ont de la chance. Ouais, on arrive aussi en France. On arrive en France. Doucement, doucement, on arrive en France. On va venir vous faire, si on appelle ça, la version originale de Comme J'aime. La version originale, Comme J'aime, avec l'alimentation tropicale. C'est ça qu'on fait au Gabon, là. Comme J'aime tropicalement tropicalisé. Ça, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, on va vous faire la version originale. D'accord? Non au gros ventre. Comme non au gros ventre tropicalement tropicalisé. Servi sur un plateau en or. On va venir vous donner ça là-bas. Donc, pour les gens de Libreville, voilà, on dit la bonne charité commence par soi-même. La bonne charité commence par soi-même. Donc, je commence par chez moi, je commence d'abord par Libreville. Et après, on aura le Cameroun. Et ensuite, et ainsi de suite. La France, on est en train de voir, on a beaucoup de demandes de partenariat au niveau de la France. Énormément de demandes, des cabinets même de diététiques qui veulent travailler avec nous. Maintenant, il faut qu'on étudie le dossier et puis on voit comment on peut travailler en partenariat avec eux en leur donnant, en donnant la possibilité qu'ils puissent avoir tout ce qui est diététique, tout ce qui est alimentation tropicale. D'accord? Donc, on est vraiment en train de voir ça. Non, il se peut que ce soit également rapidement opérationnel en France. Mais pour le Gabon et le Cameroun, pour le Gabon, c'est le 1er mai. D'accord? On lance ce challenge-là, on lance ce travail-là. Et pour le Cameroun, c'est pour très bientôt. Donc, on sera probablement en juin. 1er juin, avec les conditions, soit 1er juin, soit 1er juillet. Parce que j'aimerais que ce soit un premier pour annoncer. Ce sera probablement le 1er juillet. Oui. Oui, ou pas. Donc, je verrai bien, entre le 1er juin et le 1er juin, on le fera au Gabon, on lancera au Cameroun, et voilà. Et voilà, si c'est
Wow, que Dieu soit loué pour ce programme. Merci Dieu, merci Maman Dieudonné. On est en train de voir, on est en train de grandir, on est en train de travailler. Il y a la demande qui est là, les gens sont très occupés, les gens sont dans les bureaux, ils ont du mal à trouver de quoi manger. Les patients qui ont du mal à manger, ils sont obligés de prendre un peu à côté pour manger. Donc du coup, on va leur offrir cette possibilité-là de continuer leur programme sans se stresser et d'avoir des repas bien travaillés, pas tout ce qui est au bord de la, pas les rapides foot là, qui vont seulement créer d'autres problèmes après. OK? OK, dans la communauté de Libreville, vous êtes déjà, on vous annonce, ça fait des mois qu'on nous demande ça, mais il fallait que je prépare bien le terrain avant de vous l'annoncer, avant de passer à l'action. Donc, dès le 1er mai, on lance les hostilités, on va innover dans ce sens-là. Et ça nous fait, ça tombe bien, c'est le jour du travail, le jour où on va innover et c'est cette activité-là. Et voilà. Le numéro, c'est le plus 241 62 99 99 80. Plus 241 62 99 99 80. Plus 241 62 99 99 80. D'accord? Eh bien, si on n'a plus d'autres questions, je pense que j'ai fait le tour. Je vous ai montré les épices. Donc, voilà, je partage avec vous tout à l'heure une vidéo TikTok et sur Facebook également avec une recette d'infusion que vous devez déjà intégrer dès maintenant dans votre alimentation. Je vous en donnerai plusieurs. Pour l'instant, je vous donne celle qu'on a déjà fini le process et donc qui peut déjà être utilisée par tout le monde. D'accord? Merci aussi Isabelle d'avoir été là. Merci à vous toutes qui avez été en live. Merci pour toutes les personnes qui ont partagé le live. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci vraiment d'être là. Merci vraiment pour celles qui ont perdu énormément, qui suivent ce qu'on partage et qui arrivent à perdre du poids parce que vous êtes on va dire quoi, un miroir pour les autres. Vous devez briller et faire briller les autres. Vous devez briller et faire ensuite briller les autres. Donc, pensez un peu aux autres quand vous refusez de prendre soin de vous. Pensez aux autres, aux personnes qui vous regardent et qui attendent que vous puissiez avoir de cette lumière-là pour aussi briller. Comprenez que non seulement vous bloquez vous-même pour à ne pas briller, mais également vous bloquez ceux qui attendent votre lumière pour briller. Donc, prenez conscience de tout ça. Et vous êtes là parfois, vous avez les sœurs, les cousines, les tantes qui sont en surpoids, qui souffrent de maladies, mais qui attendent que vous puissiez avoir le déclic, que vous puissiez vous sentir bien. Vous ne le savez pas, vous ne le savez pas, mais c'est ce qui a été écrit, c'est ce qui a été fait. Vous êtes certainement une lumière, vous êtes certainement là pour débloquer les choses. Il suffit que vous puissiez perdre ce poids-là pour leur donner l'envie de le faire, pour ouvrir la porte pour elles, pour pouvoir leur donner le déclic, pour leur donner envie de passer à un autre niveau. Et vous croyez vraiment que vous perdez le poids pour vous, non? Oui, ça vous fait du bien, mais vous perdez plus parfois pour des personnes qui attendent ça, parce que vous êtes comme un miroir. Vous êtes une lumière pour les autres. Mais tant que vous restez dans l'ombre, vous ne créez pas cet éclat-là, les autres restent dans l'ombre. Tant que vous ne brillez pas, il y a des gens qui sont dans l'ombre. Donc, il faut que vous puissiez briller pour leur apporter cette lumière. Voilà pourquoi on travaille aujourd'hui, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin de nous. Et c'est pour ça qu'on travaille au quotidien pour grandir, pour continuer de briller, pour garder notre lumière allumée, pour garder notre lampe allumée. Question de continuer à illuminer les gens. On travaille, on continue les formations, on pousse, on fait grandir l'équipe. Parce qu'on sait que plus on brille, plus on fait briller les gens. D'accord? Plus on brille, plus on va faire briller les gens. Plus on se nourrit, plus on peut apporter aux gens. C'est vraiment ce que vous devez faire à votre niveau également. Vous allez voir une maman qui est en surpoids, en obésité, aura tendance à avoir des enfants qui vont rester dans ce même engrenage-là. Pourquoi? Parce que elle a cultivé, elle a un autre système, une autre façon de faire qu'elle transmet inconsciemment à ses enfants. Et on se retrouve avec une famille où la grand-mère était obèse, et puis la mère était obèse, et ensuite les enfants continuent à prendre du poids. Parce que c'est sans le savoir, on le transmet inconsciemment et progressivement. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, si vous décidez de créer, d'apporter cette lumière-là, si vous décidez de mettre les choses en main et de créer cet éclat-là autour de vous, vous allez voir comment même les enfants, même les gens qui vous suivent, les gens qui ont l'habitude de vous voir, qui viennent chez vous, vous rendre visite. J'ai des patients qui ont pris le protocole, qui ont commencé à prendre des boissons naturelles et dont les gens sont arrivés chez eux.
Les gens sont arrivés chez eux, ont commencé à prendre des boissons naturelles et ont développé un appétit pour les boissons naturelles. Aujourd'hui, ils ont réduit la rétention d'eau. Ils se sentent à l'aise. Quand tu reçois les gens à la maison, propose-leur des recettes, des boissons naturelles pour qu'on puisse éviter de prendre tout cet tas de sucre qu'on prend dans les boissons alcoolisées, dans les boissons gazeuses. Tu vas commencer à lui donner parce que tu as pris, ça t'a fait du bien. Te voilà, tu donnes, tu sais, un verre à une personne qui arrive chez toi. La personne repart avec un bon goût, avec une bonne envie, avec une bonne ambiance, arrive chez elle, veut reproduire la recette. Tu lui as donné la recette, elle reproduit, elle passe à ses enfants. Tu es en train de sans te rendre compte, tu es en train de résoudre un problème, d'aider ces personnes-là, de les aider à briller. C'est comme ça qu'on fait du fil à aiguille. Donc, quand tu prends soin de toi, inconsciemment, tu prends soin de beaucoup de personnes autour de toi. Ah oui, le fait que les gens te voient toujours bien, tu ne blagues pas, quand tu te réveilles, tu as tes protocoles, tu suis. Il y a peut-être des gens qui vont rien te dire, mais ils vont se sentir, ils vont dire, mais attends, elle a un protocole, elle se sent à l'aise, elle est toujours joyeuse, elle est toujours heureuse, et tu vas transmettre ça. C'est de l'énergie. Nous sommes énergie. Nous, le corps, là, ça représente 1% de notre corps, 1% matière, 99% énergie. On va transmettre cette énergie. Tu vois, à force d'écouter quelqu'un, on dit que la foi vient de ce qu'on entend. À force d'entendre, à force d'écouter, vous voyez un peu ce que ça donne. Si chaque matin, tu dis, ça va, moi, je me sens bien, je me sens ça, tu vois, ça va. Au fur et à mesure, tu transmets aux gens. C'est de l'énergie. D'accord? Donc, je vous encourage vraiment. Merci pour vous. Merci à vous de conseiller chaque jour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quelqu'un m'a dit que Dieu te bénisse. Hé, maman, pause. Je reçois ma bénédiction, ma chérie. Et je te renvoie ça, maman. Je te renvoie les bénédictions également. D'accord? S'il vous plaît, prenez les choses en main. Décidez de passer à un autre niveau. Décidez de prendre votre vie en main parce que ce n'est que comme ça qu'on peut arriver à avoir de bons résultats et surtout à aider les autres autour de nous. Je vais vous laisser à ce niveau. Difficilement, je pars. Mais il faut que je parte. J'aille continuer à travailler. Donc, prenez soin de vous. Et voilà. On se retrouve très, très vite dans un autre live. J'avais promis et je suis venue vous montrer. J'ai dû aller acheter les frites pour venir vous montrer parce que je n'en avais plus. Je suis contente de l'avoir fait. Maintenant, pour le reste, je vous souhaite une agréable soirée. Bon, agréable après-midi parce qu'il n'est que 15h30. Donc, prenez soin de vous et surtout, que Dieu vous bénisse abondamment. D'accord? On va bénir l'Éternel, Dieu trois fois saint, Père éternel tout puissant. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour la présence dans ce live. Merci de nous avoir assistés. Merci d'avoir aidé à ce qu'on puisse être là aujourd'hui. Papa, aide-nous à ce que nous puissions davantage grandir, davantage apporter aux personnes qui nous suivent et surtout davantage les aider à retrouver leur silhouette, à restaurer leur santé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Allez, au revoir. Ciao, ciao, ciao. Ciao les amis, ciao, ciao, ciao. Ah oui, la cannelle, le coup de girofle, les grains de fenouil, le cumin et le thym. Merci Ghislaine, j'avais loupé, je voulais te répondre, mais j'avais loupé. Merci, merci Maman Dieudonné d'avoir répondu à Ghislaine, c'est bien. On est là pour partager, on est là pour donner et c'est magnifique. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse pour ça. Ciao, ciao, ciao.